à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée à l'oracle du Petit Lenormand. C'est un très grand plaisir pour moi de vous accueillir aujourd'hui sur ma chaîne YouTube, une chaîne qui est la vôtre. Donc pour vous récompenser de votre fidélité et aussi pour votre engouement pour cette chaîne, j'ai décidé de récompenser tout le monde. Donc j'ai décidé de faire un tirage inédit pour chaque signe du zodiaque pour 2018. Le tirage pour chaque signe pour 2018 va être divisé pour les 12 mois de l'année. Chaque mois, nous allons voir un aspect de votre vie ou un aspect que l'oracle veut souligner. Ces prédictions ou cette guidance sont là vraiment pour vous aider à avancer dans votre année 2018. Même si parfois les cartes peuvent paraître difficiles ou compliquées, sachez que la guidance que ces cartes vous apportent, c'est vraiment pour améliorer votre vie et apporter paix, sérénité et joie. Je vous invite maintenant à me rejoindre sur la table de voyance où nous allons faire votre tirage et vous expliquer ce que 2018 a en réserve pour vous. Bonjour amis Balance et bienvenue sur votre tirage du Petit Lenormand pour 2018. Donc, comme j'ai dit dans les vidéos précédentes, ce tirage est un tirage général qui va couvrir l'année 2018 et il vous donnera une guidance et des prédictions sur les événements, les situations qui sont à venir. Bien sûr, comme c'est un tirage général, certaines choses pourront vous parler plus que d'autres. Et si vous voulez avoir un tirage personnel taillé sur mesure, je vous invite à regarder dans la boîte de description, il y aura un lien où vous pourrez commander un tirage spécialement pour vous pour 2018. Donc, sans plus tarder, nous allons nous concentrer sur votre année et demander aux cartes de vous apporter le maximum de détails, de précisions, de messages, de guidance que possible. Voilà, votre jeu est étalé. Si vous voulez avoir encore plus de détails, je vous invite à regarder aussi la vidéo qui est associée à votre signe ascendant. Comme moi, par exemple, je suis poisson ascendant lion, je vais regarder la vidéo des poissons, mais aussi celle des lions pour avoir encore plus de détails et encore plus d'informations. Donc, nous commençons par le mois de janvier. Alors, pour le mois de janvier, vous avez le jardin, la faux et le trèfle. Alors, ce que les cartes veulent dire, c'est que pendant un moment, vous vous êtes coupé du monde, vous vous êtes isolé, peut-être vous avez été déçu par la réaction de certaines personnes, ou vous avez été déçu du monde en général, et vous vous êtes retiré, vous vous êtes cloîtré, vous avez fait le vide, vous avez fait le grand ménage. Et là maintenant avec le trèfle, c'est un nouveau départ, c'est une deuxième chance qui vous est donnée et vous voulez vraiment être méticuleux dans vos choix de fréquentation et aussi voir de près les personnes qui viennent vers vous et donc c'est des choses qui vont être positives, donc remise en question mais aussi un démarrage rapide. Pour le mois de février, nous passons au mois de février. Alors pour le mois de février, ça confirme ce qu'on a dit un peu pour janvier, les choses recommencent, donc les choses redémarrent avec le cavalier, mais vous avez aussi des nouvelles qui vous arrivent chez vous, qui concernent peut-être la famille, qui concernent aussi peut-être une propriété, ou sinon un choix entre deux maisons ou deux lieux de résidence, une maison à la campagne, une maison en ville. Donc ici, pour le mois de février, il y a des changements qui arrivent, il y a des décisions qui sont prises et c'est relatif aux biens immobiliers
à la famille, mais aussi à l'entourage qui est proche. Donc c'est vraiment encore un mois de remise en question, de décision, de peser le pour et le contre. Et on vous annonce aussi que les personnes que vous allez rencontrer au mois de février seront des personnes de passage, ne vont pas rester, comme l'indique le cavalier. Pour le mois de mars, le beau temps revient. Après beaucoup de difficultés et de problèmes, le soleil revient, les bonnes nouvelles arrivent, les informations positives arrivent. Alors, c'est un mois où vraiment la sérénité revient, où vous pouvez respirer, où vous revivez. C'est un renouveau. Le cercueil étant la carte de la fin qui marque une transition, une pause, et le soleil qui annonce une illumination, un éclairci. Et vraiment, ça concerne la communication, ça concerne les informations, les moyens que vous utilisez pour communiquer avec les gens. Donc, à partir de mars, on voit qu'il y a quand même une amélioration de votre tirage et les choses vont beaucoup mieux. Pour le mois d'avril, on voit qu'il y a quand même encore des petites séquelles du passé qui sont représentées ici par la croix. Il y a aussi des difficultés qui sont relatives aux finances et il faudra de la patience. Le lys est une carte qui demande de la patience, c'est une carte qui est très lente. Et on me dit que peut-être vos difficultés d'argent ont commencé en hiver 2017 et qu'elles continuent à se propager un peu dans votre tirage de 2018. Donc là, vraiment, il faudra de la patience. Entre cette croix, nous avons les deux rois, le roi de pique et le roi de carreau. On remarque qu'ils sont face à face et que c'est un échange de nature pour parler, mais vraiment discuter pour trouver un terrain d'entente. Et ça peut être deux frères, ça peut être deux cousins, mais ce sont deux personnes adultes de sexe masculin qui vont essayer de, comment dire, d'enterrer la hache de guerre. Donc c'est quelque chose qui peut être positif aussi si on sait communiquer, si on sait être diplomate. Il faudra vraiment être diplomate avec le lys. Le lys demande à être diplomate et serein. Alors, nous passons maintenant au mois de mai. Alors, le mois de mai, il y a rencontre. Le mois de mai, une relation amicale peut se transformer en quelque chose de plus profond. Au mois de mai, on rencontre des gens, on discute, on essaye de faire connaissance. On peut s'appeler, entre guillemets, un couple, malgré qu'il y a encore des choses qu'il faut mettre au goût du jour. Mais vraiment, les amitiés, les relations sont favorisées durant le mois de mai pour vous. C'est aussi un mois où on pourra parler d'amour, on pourra se confier sans avoir peur. Et c'est un mois vraiment qui, comparé aux autres mois qu'on a vus de 2018 jusqu'à présent, c'est le mois qui me semble un peu plus tranquille, un peu plus moins stressant, on va dire. Donc, il faudra regarder les possibles partenaires qui arrivent vers vous et vous pourrez trouver une âme sœur parmi elles. Nous arrivons maintenant au mois de juin, donc les deux trimestres de l'année sont presque finis. Nous entamons la deuxième moitié de 2018 et là, vous visez un objectif. Si vous travaillez dans le domaine de la santé, c'est très bien, il y aura des résultats positifs dedans. Si vous visez le bien-être et vraiment la stabilité, ça l'est aussi. Donc c'est vraiment un mois où vous allez vous ressourcer, où vous pourrez vraiment, comment dire, canaliser les choses et faire en sorte que les choses se déroulent bien. Je vous vois viser des objectifs pour les 6 prochains mois et avec la carte de l'arbre, il faudra patienter. Peut-être que les résultats ne vont pas tomber durant l'année 2018, mais plus vers l'année 2019. Nous passons maintenant au mois d'août. Alors, au mois d'août, nous avons la lune, le livre et l'enfant. Alors, ce que on peut interpréter ici, c'est que la lune, déjà, c'est une carte qui est positive.
C'est une carte qui représente les cycles, donc les études avec l'enfant. Donc vous aurez peut-être un enfant qui finit ses études ou qui commence un nouveau cycle d'études, ou vous-même peut-être vous allez vouloir commencer à reprendre vos études ou à étudier quelque chose de nouveau qui soit relatif peut-être à l'intuition, acheter peut-être un nouveau livre que vous aviez envie de vous acheter, qui va éveiller votre intuition. Mais ce sera un mois vraiment où vous allez apprendre pas mal de choses. D'accord ? Le livre ne veut pas tout le temps dire secret. Elle peut dire aussi apprentissage, perfectionnement, études et tout ça. Avec l'enfant surtout, c'est qu'on débute vraiment novice, on débute vraiment tout petit. Donc ça, c'est un mois qui est favorable pour apprendre, pour développer ses dons, voilà, pour investir dans ses talents. C'est vraiment un mois où c'est présent pour vous. Alors, nous passons maintenant au mois d'août. Ça, c'était juillet, août, oui. Alors, le mois d'août, c'est un mois qui est très bien encore, sous la bonne étoile avec la clé de la réussite et la consultante. Donc si vous êtes un homme et que vous voulez rencontrer une personne, une compagne, le mois d'août est vraiment favorable pour vous. D'accord ? Si vous êtes une femme et que vous cherchez à remettre votre vie en place, à réussir, à monter plus haut, à viser plus haut, à atteindre des objectifs importants, oui, ce mois d'août est significatif pour vous. Les choses vont aller bien et j'ai l'impression que tout ce que vous avez appris durant l'année, le début d'année, vous allez pouvoir l'utiliser pour avancer un peu plus durant l'année. Donc là, nous sommes au mois de septembre. Et au mois de septembre, on voit un changement, mais on peut interpréter ça aussi comme un éloignement avec le serpent, la cigogne et le vaisseau. On a l'impression qu'on s'éloigne un peu des gens mauvais, des gens perfides, des gens qui convoitent, qui vous convoitent. Donc là, vous prenez le large vraiment. Il y a aussi un voyage qui est annoncé ici, un petit déplacement qui va peut-être répondre à pas mal de vos questions et de vos interrogations. Il faudra aussi faire attention à bien se reposer pendant cette période parce que peut-être vous serez apte à attraper un petit virus ou un petit microbe. Donc il faudra faire très 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 attention. Nous passons maintenant au mois d'octobre. Alors le mois d'octobre, nous avons les souris, les nuages et le bouquet. Donc, c'est pas très réjouissant. Il y a beaucoup de stress. Il faudra faire attention. On pourra peut-être perdre quelque chose qu'on tient vraiment à cœur avec le lys. Quelque chose que l'on trouve beau. Quelque chose qui est un souvenir aussi. Quelque chose qui est important pour vous. Un cadeau. Mais là, on voit vraiment que quelque chose est égaré et c'est parti dans le brouillard. C'est parti dans le flou. C'est un mois où je ne conseille à personne de lancer des projets ou de communiquer pour un contrat ou pour un litige ou quelque chose comme ça. Parce que là, tout est vraiment coupé, tout est vraiment sombre, tout est vraiment noir. Donc, c'est un mois que moi, je vous dirais de patienter et de rien entreprendre car il y a trop de stress, il y a un manque d'informations, il y a un manque d'éléments et si vous prenez des décisions pendant cette période, vous risquez plus tard de le regretter et de vous en mordre les doigts. Donc moi, je vous conseille de vraiment pas vous lancer dans des entreprises et de patienter que le beau temps revienne. Alors, nous sommes arrivés maintenant au mois de novembre. Mois de novembre, on parle de travail, on parle d'argent, mais plus côté professionnel. Alors, un blocage professionnel va arriver, on est au moment de novembre, donc il y aura des retards, il y aura un obstacle, il y aura vraiment des choses difficiles. Et là, ce qui est marrant, c'est que vous avez le renard ici qui est à plat, et quand vous traversez le mont, vous retrouvez ici l'ours, au sommet du mont. Donc tout simplement, les cartes veulent vous dire qu'il faudra faire beaucoup d'efforts, il faudra travailler plus,
vous serez très fatigué, certes, mais il faudra vraiment, si vous voulez rester dans les bonnes grâces et réussir professionnellement, il faudra redoubler d'efforts pendant le mois de novembre. D'accord ? Beaucoup de choses vont être décidées. Il y a aussi possiblement une promotion ou un emploi qui vous est promis, qui sera reporté à une date ultérieure. Donc vraiment, il faudra regardez de près votre niveau professionnel. Et pour l'argent aussi, les petits blocages, les petits retards. Donc ne vous endettez pas trop à cette période de l'année. Donc nous avons fait le tour et maintenant nous sommes arrivés en décembre 2018. Alors ici, on vous dit qu'il y a un cycle quand même avec le fouet. C'est une boucle infernale et avec l'anneau. Il y a aussi la tour, donc l'année se termine, encore vous allez essayer de faire une remise en question, essayer de vous éloigner le plus possible pour avoir un objectif, et il y a pas mal de disputes dans ce qui est les associations, dans ce qui est le couple, le ménage, le mariage, donc il y a peut-être un des deux partenaires qui va s'isoler ou qui voudra peut-être se séparer ou voir quelle démarche il pourrait faire pour aller de l'avant. Donc, c'est un mois qui est délicat et c'est un mois où il faudra consulter un expert. Je ne sais pas dans quel secteur ils le disent, ils ne le précisent pas, mais on voit que vous consultez quelqu'un qui a un regard plus élevé, qui est plus sage, qui connaît bien la situation et votre situation. Donc voilà, nous avons fait le tour de 2018 avec ces prédictions, avec ces messages. Bien sûr, le but de ces messages, c'est vraiment de vous donner des éléments qui ne sont pas juste là pour voir si c'est vrai ou pas, si ça arrive ou pas. C'est des éléments qu'on vous donne, c'est comme des clés. Donc, quand vous voyez que vous êtes bloqué, vous avez une clé qui peut éventuellement vous faire sortir de ce guet-apens parce que vous savez d'avance quelles sont les tendances et quelles sont les choses qui peuvent vous arriver. Donc, toutes les combinaisons de cartes que j'utilise dans ce tirage, vous pouvez le trouver dans mon tout nouveau livre en français, le guide des associations du Petit Lenormand. Un livre de 184 pages, il y a pas mal de choses dedans. Je discute de chaque carte, mais aussi je vous donne la combinaison de toutes les cartes possibles par paire. Et vraiment, si vous voulez faire des tirages comme ça, la combinaison des cartes est vraiment importante. Donc vous trouverez le lien dans ma boîte de description pour vous mener vers ma boutique où vous pourrez, commander ce livre. Et vous pouvez aussi précommander le jus que j'utilise dans cette vidéo, qui est le Alexandre Musruk. Pardon, excusez-moi. Alexandre Musruk, le Normand Oracle Cards. Il est disponible en précommande sur Amazon. Et comme il y a beaucoup de précommandes, il y aura beaucoup de ventes de ce produit, je vous conseillerais de le précommander maintenant. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir une copie. Et surtout, le prix n'est pas excessif. Il coûte à peu près, je crois, 15 dollars. Il faudra vérifier. Et les cartes sont comme celle-là. Il n'y a pas d'annotation anglaise ou française. Elles sont des Lenormand dans la pure tradition française. Bon, je vous souhaite une très belle année 2018 et ce sera un plaisir pour moi de vous retrouver pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez surtout pas de liker, de vous abonner à la chaîne, de le partager dans vos groupes d'études, dans vos pages Facebook, sur vos réseaux sociaux et aussi avec vos amis qui sont fans de divination, de voyance et de cartomancie. Je vous souhaite une très belle année, une très belle journée, une très belle semaine et je vous retrouve bientôt sur une nouvelle vidéo.